Donc 17h45 que je me prépare pour aller au boulot, comme tous les jours, 365 jours sur 365. Moi je m'occupe des logettes, donc c'est un curage, c'est nettoyer les bouses de vache qui est évacuée avec un racleur automatique vers l'autre bout, qui est stocké en fumier. Donc ça c'est pareil, c'est tous les jours, deux fois par jour, l'hiver. Donc là c'est la traite, mon frère, la traite, c'est une traite automatique, donc il y a juste à les brancher, elles se décrochent automatiquement. Il y a un compteur à lait qui indique les quantités de lait produites chaque jour par vache pour complémenter leur alimentation en fonction de leur production. Donc il faut bien les essuyer avant la traite. On pulvérise un produit avec une sorte de sopalin, un chiffon sec. On essuie le produit désinfectant pour préparer la mamelle pour brancher les vaches. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. Il y avait un véloche. Donc on prépare ce qui est sur mon dos, ça s'appelle une velleuse, pour aider la vache à faire son veau éventuellement si ça se passe mal. Alors ça peut très bien se passer la nuit, on peut se lever à 2h, 3h, 4h du matin, sachant qu'il faut se lever d'entour à 6h30 pour repartir au boulot. Ce soir, c'était compliqué. Il a fallu vraiment aider à sortir, sachant que le veau était mal placé. Donc il faut vraiment tirer dessus. Là, pour l'instant, on n'a pas placé la velleuse car le veau était mal placé. On n'arrivait pas à la voir. Ah voilà, bien fatigué, épuisé, il était temps d'arriver dessus. Donc si on n'avait pas été là, c'était un veau qui était perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut se lever la nuit quand il y a un vêlage. Là, ce jour-là, c'était un peu exceptionnel car non seulement il y avait un veau mal placé, et après quand on a refouillé la vache pour voir si tout était bien à l'intérieur, on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième veau qui arrivait. Donc et le petit veau en transport de brouette pour rejoindre sa niche. Sa première tétée au biberon. Donc tous les veaux, faut les boucler à la naissance pour les identifier. Après les vêlages, la traite, un dernier coup de raclette pour repousser le maïs pour qu'elles aient à manger toute la soirée. Et après cette journée-là, bah, nous on rentre aussi vers 19h, 19h30 tous les jours. 365 sur 365.